les amis, bonjour tout le monde, c'est Mélie. J'espère que ça va hein, pour vous, que vous tenez le coup avec cette année qui commence fort quand même. Hein. Vraiment, on est sur les montagnes russes sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots. Bon, alors, je vous ai fait un live impromptu. C'était un peu difficile pour moi parce que je ressentais quand même les émotions qui étaient très fortes au niveau de qui vous savez, qui est complètement parti en vrille. Hein. Et donc aujourd'hui, bon, bah, je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus reposée. Donc on va regarder un petit peu si monsieur qui pète les plombs, là, va encore rester longtemps. Quand je vous avais fait le focus sur 2024, les premières cartes que j'ai sorties, je vais vous les remettre là dans la vidéo. Eh bien, je le voyais, vous voyez, sur une espèce de voie qui se divisait en deux. Et je vous avais dit qu'il est possible que c'est le mettre de côté. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai bien l'impression que ça pourrait être possible. Parce que là, il est clairement au bout du rouleau. Mais il y a une décision là quand même, hein, une décision. Hein. Il y a une décision qui va être prise. Soit c'est lui qui va prendre la décision, soit on va prendre la décision pour lui. C'est assez étonnant. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a, oui, il y a quelque chose qui sort de l'eau, là. Une silhouette, c'est plutôt une silhouette féminine. Donc, quelque chose qui remonte à la surface et que la vaisselle sale. Des choses pas propres. On va regarder ce que c'est que cette décision-là. Hein, parce que je sens que ça pourrait vous intéresser. Alors, la marionnette. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Potentiel, bah, pas vraiment. Hein. Ouais, potentiel passé. Oui, d'accord. Ça, à la rigueur. Le potentiel qui est passé, donc il est au bout, quoi. Il est en bout de course. Son potentiel, c'est du passé. On va dire ça comme ça. Il est en bout de course. Et moi, je me demande si le marionnettiste, alors que l'on ne voit pas, ne va pas finalement décider de le mettre au rebut. Parce que, regardez, j'ai dit que c'était. Éventuellement la vérité qui sort de l'eau, mais est-ce que ça peut pas être aussi une femme qui sort de l'eau? La relève, vous voyez? Alors justement, j'étais en train de mélanger le jeu de Kate. Coucou Kate, si tu m'écoutes. Et donc j'étais en train de penser à lui, n'est-ce pas? Et voilà ce que j'ai été, ce que c'est, qui s'est retourné plus exactement, la fin, le chaos, le recommencement. Alors le recommencement, espérons que non, mais en tout cas la fin et le chaos. Donc je vous propose de voir ce que va devenir notre cher président. Dans les 6 prochains mois. Ouais, c'est long, je sais. C'est long au niveau du temps, mais bon, je me laisse quand même une marge. Parce que le temps, c'est quelque chose qui est difficile. Mais bon, comme tout s'accélère, ça peut être dans les 3 mois. Alors, l'avenir de qui vous savez dans les 6 mois, en prenant le jeu de Kate, donc la voix des anges. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Kate et à la soutenir. Hein. Elle fait des très beaux oracles et également des très bons tirages. Voilà. Alors, faut pas que je me mélange. Je reviens à notre cher Manu, notre cher Caligula. Ok. Donc, est-il allé trop loin? Qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les 6 prochains mois? La coupe, la justice et bon. Là, il y a des gens qui vont vraiment commencer à, comment dire? Alors, tendre l'oreille, oui, se faire entendre, ou plutôt, c'est plutôt ça, moi, je dirais. Des gens qui vont commencer à se faire entendre par rapport éventuellement à son équilibre. Hein, parce que là, je prends dans le sens d'équilibre, pas forcément au niveau de la loi. Ça peut être les deux, en fait. J'ai deux choses qui me viennent en tête. D'abord, les gens vont commencer à parler de son équilibre mental. D'où se faire entendre, mais ça peut être aussi des gens qui vont commencer à dire, mais est-ce qu'on peut pas se débarrasser de ce type? Il n'y a pas des lois pour justement, voilà, l'éjecter. Donc des gens qui, dans son propre camp même d'ailleurs, eh bien, commenceraient à chercher des solutions parce que là, ils commencent à faire un petit peu peur. Hein, il y a les deux. Bon, alors, son avenir dans les 6 prochains mois, et puis après, je vous ferai la guerre en Ukraine parce que là. Ça commence à sentir plus que le roussi. Bon. Bon, bah, c'est lui, président, voilà. OK. La France, bah, écoutez, ça sort bien. Merci, Kate. Oui, voilà. Regardez, vous voyez, très instable. Et alors, contrat signature, on va regarder. On va regarder pourquoi j'ai contrat signature. On va continuer encore avec le jeu de Kate.
Je suis encore une fois, je rappelle, je suis en train de regarder son avenir dans les 6 mois. L'avenir de Manu. Ah ouais, passion flirt, ok. Faudra qu'on aille regarder par là. Alors, passeur d'âme ou être protégé. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas fait un contrat pour être protégé? On va demander. Fragile, instabilité, enfant. Ça peut être la naïveté. Attendez, là, j'ai besoin d'autres cartes. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Il est fou, mais pas tant que ça. Moi, je me demande s'il n'est pas, il n'est pas en train de chercher une échappatoire, voyez. Pour être protégé. Peut-être pour passer à autre chose, d'ailleurs. C'est pas que passeur d'âme. Enfin, bon, excuse-moi, Kate. Hein, je m'approprie ta carte. Mais renaissance, voyez. Être protégé. Pour passer à autre chose. Cadeau, invitation et compromis. Bon, il est en train de préparer quelque part, j'ai l'impression, l'après. L'après, parce que là, il sent que la situation est très fragile. Enfant, c'est aussi quelqu'un qui est petit, qui peut être faible. Bon, innocent, pas vraiment, mais il y a une instabilité là avec enfant et fragile. On va regarder. Ah ben justement, j'ai la carte des 6 mois qui sort, voyez. Alors, c'est pas le printemps, hein, c'est les 6 mois. Ouais, il va avoir des problèmes, hein, voyez. Conflit, dispute, accusation. Il va y avoir un gros problème qui risque de faire s'écrouler l'édifice fragile de sa psyché ou de sa situation dans les 6 mois. Et moi, je pense que quelque part, soit on lui fait comprendre qu'il faut qu'il commence à penser à l'après, soit inconsciemment, dans sa folie nébuleuse, il le sent. Alors, regardez pourquoi j'ai passion et flirt ici. Pervers narcissique. D'accord. Passion, violence, ça vient faire quoi là? Qu'est-ce que ça vient faire là? Indépendant. Bon, il y a des choses qui sont contre lui, hein, qui justement entravent son indépendance. Sinon... Piège, il y a des gens qui savent des choses à son sujet. Hein. Concernant notamment la violence, voilà, par rapport à des passions, on va dire. Et ce qui fait que ça le mettrait aussi en danger. Il y a des choses intéressantes dans ce jeu. Hein. Donc je vois deux choses. Des histoires de chantage possibles par rapport à sa vie amoureuse, on va dire, mouvementée. Hein, voilà. Et l'autre chose, c'est que il y a un départ qui est en train d'être préparé là. Et il cherche des alliances, ou alors il a déjà des alliés qui lui préparent le monde d'après. Bon, on va essayer d'en savoir plus, mais encore une fois, vous pouvez regarder si vous voulez, hein, c'est juste un conseil. Mais ce fameux Focus 2024, il y avait des cartes vraiment fortes qui étaient sorties. Et moi, la première carte, c'était, j'avais dit, attention, il se peut que ses maîtres le mettent de côté. Et je dis bien ses maîtres, parce que là, il y a un truc... Ah, ben, il y a Tofi qui est venu. Ça va, toi? T'es sage? Oui? Il me regarde. Bon, allez. On va repartir de l'autre côté, vers quelqu'un de pas très sympa. Alors. Ah, ben, alors. Hein. Bon, ben, j'ai ça. Hein. Bon, lui, il veut en découdre, hein, de toute façon. D'accord. Ça, on a compris. Struggle, c'est la lutte pour la vie. Hein. Enfin, c'est pas la lutte pour la vie en ce qui le concerne, mais il est prêt vraiment à en découdre. Jusqu'au bout, quoi. Bon. Alors, on va regarder un peu son état. Ah, j'ai bien dormi, je me sens bien. Alors, j'y vais. Hein. C'est pas aussi, c'est pas aussi souvent que voilà que les conditions sont réunies pour percer la psyché de qui vous savez. C'est compliqué. Hein. Allez, l'avenir de qui vous savez dans les 6 mois. Bon, bah, il y a séparation en vue. Ouais, il y a séparation en vue. Un parting, c'est départ, séparation. Alors, de qui, de quoi? Pour regarder ce qu'il y a en dessous. Alors, d'un homme. Hein. Prince, c'est un homme. C'est un homme qui a le pouvoir. Et il y a des choses par rapport... Ah ben, regardez les histoires de justice en dessous. Mais les histoires de paperasse. Bon. Bien, bien, bien.
J'avais une possibilité de départ hein, quand j'ai fait l'horoscope 2024 de la France. Ceux qui ont la gentillesse de le regarder le savent. J'ai dit attention, il peut partir. J'avais dit pour des histoires de santé, il me semble, ou de mensonges, je crois. Ouais, c'est ça. De mensonges ou de santé. Ouais, bon, alors. Monsieur Caligula, son avenir dans les 6 mois. C'est bien de faire le point de temps en temps, hein. Et dans ce focus 2024, ça veut dire qu'il y aurait une femme qui allait commencer à émerger et à prendre vraiment peu à peu le pouvoir. Hein. Bon. Oui, non, mais ce focus 2024, franchement, il y a des choses que je ressens fortement. Et il est possible que j'ai vu juste. Alors, on verra bien, hein, mais il est possible. Alors, le cheval, c'est aussi la docilité, la renaissance, la libération et le changement. Oui, vous voyez. Là, ça parle de lui. Hein. Il est en train de penser à l'après. On se libère de ses chaînes. Bon, quelque part, il est possible que la situation lui pèse aussi. Enfin, on ne va pas le plaindre, mais là, il sent qu'il est coincé avec l'Ukraine. Ça n'ira pas plus loin, cette histoire de guerre. Hein. Enfin, là, ils sont milliards ou pas milliards. On l'a dit depuis le début, d'ailleurs. C'est pas l'Ukraine qui va gagner. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Talisman, d'accord. Alors, le cheval, c'est aussi une monture, hein, évidemment. Une monture docile. Qui va là, on le lui ordonne. Il y a des talismans. Bon, pour l'instant, il fait ce qu'on lui dit. Mais il essaie de se protéger, vous voyez. Il y a des histoires encore de justice. Ah, ça peut être une fuite, là. Il y a un changement. Il y a l'araignée. Alors, on va mettre d'autres cartes pour éviter de trop se mélanger. J'allais prendre le jus de la vérité, justement. C'est ce qu'on cherche. Hein. Alors, attendez, vous voyez bien les cartes. Ouais, il y a du soleil aujourd'hui, donc au niveau éclairage, ça devrait aller. Je vais quand même mettre de la lumière. Donc là, je suis sur son avenir à 6 mois. Donc, il y a un départ qui se prépare. Hein. Là, on a le cheval, là, on a le cheval. Éventuellement un changement pour éviter un piège. Ou alors un changement qui conduit à un piège. Il faut voir. Il faut voir. Bien, alors. Monsieur Caligula, dans les 6 mois. Intention, perversion. Bon, bah déjà, il a des mauvaises intentions. Hein, d'accord. Bien. Qu'est-ce qu'il va faire dans les 6 mois? On va mettre une carte sur chaque. Je vous avais sorti le dernier tirage avec le jeu de haut que le chef, il y avait la place vide. Hein. Je vous ai dit, si ça se trouve, il va prendre du repos. Évidemment, je m'étais fait critiquer comme d'habitude, mais il est vraiment possible qu'il soit mis à l'écart, hein, je vous assure. Hein, la place était vide. Pour une raison ou pour une autre, il va être moins présent, j'ai l'impression. Complexité, bon, d'accord. Prospérité, il y a quelque chose au niveau de la justice, là, qui va porter ses fruits. Donc, perversion, libération, perversion, et là, qu'est-ce qu'on a? Satisfaction. Ouais, non, mais... Il va faire autre chose, là. Alors, posons des questions. Complexité. Donc là, quelque part, il ne sait plus trop comment faire. Il est un peu coincé et il cherche un talisman. Donc, il cherche quelque chose pour le protéger. Hein. D'accord? Alors, on va demander ici. Ou alors, tiens, vous savez quoi? On va demander la quête de nouveau. Très bien sorti aujourd'hui. Et on va prendre aussi le France Actu. Donc, la situation est complexe. Encore lui, décidément, vous voyez, c'est bien lui, hein, le président, donc c'est lui. Bon, il cherche une échappatoire. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche une échappatoire. Il est dans une espèce de complexité. Il ne sait pas trop comment en sortir. Et je vous dis, il sent aussi qu'il est lâché. Hein. Abandon, rupture, chagrin. Alors, je ne sais pas si c'est dans son couple ou pas. Enfin, je m'en fiche un peu de son couple. Mais il sent qu'il est lâché. Et là, il est en train vraiment de penser à l'après. On va regarder les histoires de justice. Non, c'est non. Ah. Enfin, non, non, c'est pas non, c'est non, c'est non, en fait. Le changement. Il y a quelque chose au niveau des lois qui ne fonctionne plus. Il est possible aussi qu'il cherche à mettre en route des nouvelles lois, hein, une renaissance au niveau des lois. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, il y a nécessité d'un changement. Bien. Au niveau de la perversion, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il s'organise.
Libération, quelqu'un qui voilà, qui s'en va, j'ai envie de dire qui s'en va en guerre, en tout cas, qui est en mouvement, perversion et maître du temps en retard. Il y a un truc intéressant là. Ah ouais, c'est compliqué d'être dans sa tête, hein. Qu'est-ce que ça veut dire là? Cadeau. Abondance. Non mais il va être classé, hein, ou reclassé, ou replacé, j'ai l'impression. Ouais. Il dérange là. Vous voyez, il dérange. Il s'est libéré de ses chaînes. Alors c'est lui qui se libère de ses chaînes, mais pas d'une bonne façon. Là, il est en roue libre. Voilà, c'est ça que j'ai en fait. Il est en roue libre. Il est, vous voyez, comme ce cheval qui va dans le feu, là, ou qui fuit devant le feu, éventuellement même d'ailleurs. Il est en roue libre. Il y a un danger. Et là, il faut qu'il s'échappe. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Perversion, ben ça c'est lui, hein. Pervers narcissique. Il est en train de s'organiser pour éventuellement, vous voyez, avoir un cadeau et de la richesse. Il est en train de s'organiser pour aller ailleurs. Ah ouais, je vous assure, hein. Parce que il est en roue libre. On a dû lui faire comprendre, d'ailleurs on ira demander après, s'il n'a pas eu des reproches quelque part aussi de la part de ses chefs. Là, ils n'arrivent plus. Alors, quand je dis ils, ce sont ces chefs au pluriel. Hein. Ils, au pluriel, n'arrivent plus à contrôler leur marionnette et qui s'est libérée, qui est en roue libre. Et du coup, il est nécessaire d'organiser quelque part son évasion, ou en tout cas son reclassement. Voilà, c'est ça que j'ai en tête, son reclassement. Alors, il y a satisfaction. Hein. On va regarder là. Ah, hop, on va pousser par là. Indépendant, oui, ouais, voilà. Ils vont se débarrasser, alors se débarrasser de lui, plus ou moins, quoi. Plus ou moins, hein, quand je dis débarrasser de lui, c'est le mettre ailleurs, tout simplement. Le mettre ailleurs, parce que en fait, il est devenu trop indépendant. Ouais, je vous dis, il a échappé à, comment dire, à ses chaînes là. Il est en roue libre, mais c'est vraiment ça que j'ai. Il est en roue libre. Alors, satisfaction, lui donner satisfaction, mais le remettre dans la toile, hein, le remettre sous contrôle. Ouais, le remettre sous contrôle, lui donner satisfaction, mais l'effacer. Ouais. Alors, attendez, on va faire pause et on va faire un petit jeu. Voilà, donc ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que je pense qu'il pourrait être vraiment mis au placard ou de côté, être, comment dire, être reclassé. C'est vraiment ça, en fait, être reclassé, parce qu'il commence un petit peu à déranger. Et là, on a vu, il se libère de ses chaînes. Là, il est en roue libre. Hein. Le gars, il est plus sous contrôle. C'est ça que j'ai, moi. Bon, attendez, on va regarder justement avec. Bon, on peut regarder avec le jeu de haut ou alors un autre jeu. On va demander à qui? Bon, on va demander. Tiens, on va demander à celui-là. France Actu, j'avais dit. Hein. Ouais. Mais je voulais regarder déjà, avant de repartir celui, je voulais déjà regarder si ce qu'il a dit par rapport, on va envoyer des troupes et tout. Est-ce que ça a plu à ses maîtres ou pas? C'est ça que je voudrais savoir aussi. Qu'est-ce que ses maîtres pensent de son discours? On va demander là, vraiment, on va demander au Dixit. Hein, comment est-ce que son discours a été perçu? Alors, ses maîtres, on les connaît. Hein. On ne va pas donner de nom. Ces gens très, très riches. Ils font partie d'un certain forum. Donc, ils sont derrière un certain forum. Qu'est-ce que ses maîtres ont pensé de son discours, enfin de son discours, de oui, en fait, du pétage de plomb. Hein. Bon, alors ce sont bien eux, les maîtres du chaos. Attendez, je vais la mettre. Bon, ça, c'est un tsunami. Enfin, oui, c'est ça, en fait. L'eau qui déborde. Vous voyez, l'eau qui déborde, qui menace d'envahir. Bon, bah, ils pensent effectivement qu'il y a eu un débordement émotionnel, là. Ça c'est vraiment, vous voyez, vous avez vraiment les maîtres, là, avec l'espèce de robe violette, vous voyez, le liséré doré, qui sont prêts à libérer le chaos sur le monde. Ce sont eux, ces maîtres, hein, qui font partie d'une certaine SECTE. Voilà. Bon. Donc là, débordement émotionnel. Ouais. Donc, ils sont. Oui, bah, c'est bien ce que je dis, hein. Je considère qu'il a été un peu trop loin. Mais on va reposer la question. Qu'est-ce que ces maîtres pensent de leurs marionnettes? Bon, ben, ils sont là aussi. Hein. Alors, ça, c'est bien la France. Ouais, donc,
Explosion. Ben, il pense qu'il a explosé éventuellement et qu'il serait bon de l'éloigner. Qu'il serait bon de l'éloigner. Vous avez la Terre qui est là et ça, c'est une autre planète. Alors, vous savez qu'il y a eu un, ou pas, il y a eu un pacte, il a fait un pacte avec le Qatar. Je le sens pas. C'est pas bon. Je vous avais dit attention avec certains pays. Ça me plaît pas du tout cette histoire de ce fameux pays-là. C'est pas des gens qui sont les copains de la France, ça. Hein. Bon, alors je m'éloigne un peu. Mais ce sont aussi ses maîtres. Il y a des maîtres à, comment dire, les maîtres de Caligula. C'est pas forcément les gens qu'on connaît. Il y a ceux du forum, oui, certainement. Mais il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres encore qui font partie de ces pays-là. Bien. Alors reprenons. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de son discours? Bon, il a explosé, hein, d'accord? Et il serait bon de l'éloigner. Une ombre. Ouais, voilà, ça c'est le destin. Les trois parcs, hein, plus ou moins. Il y en a une qui tranche le fil. Et ici, vous voyez, il pense que là, il se dédouble. Donc quelque part, c'est un peu Mr. Jekyll. Non, pardon, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a une ombre là, il n'arrive plus à le contrôler. Regardez le bonhomme, là, il regarde son ombre, il se dit, mais comment ça se fait que mon ombre n'est plus vraiment attachée à moi? Elle fait ce qu'elle veut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il échappe à leur contrôle. Hein. Alors là, il y a l'ombre de l'Est. Ça, c'est la Ruru pour moi. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Qui surveille. Mais là, je voudrais. Ah, vous avez un reflet. Ah, vous avez un reflet. On va l'enlever. Je pense qu'il y a suffisamment de soleil aujourd'hui. C'est marrant, il y a la Ruru qui surveille tout ça. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il regarde? Ouais, il y a des représailles qui peuvent être faites. Hein. Bon, on va laisser la Ruru de côté. Mais il y a un truc là. Attention à la prochaine éclipse. Hein. Il y en a une en mars, une en avril. Une fin mars, une début avril. Bon, je vais me reconcentrer sur les maîtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à Caligula? Voilà, ils pensent qu'il est vraiment sur le fil dangereux, là. Vous voyez? Il est en train de faire la division. Il est en train de faire la division. Donc, il trouve qu'il fait vraiment un jeu dangereux. Casse-gueule, même. Bon, il y a l'argent. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. Ouais, ils vont le faire disparaître. Enfin, disparaître. Moi, je pense qu'ils vont lui proposer autre chose. Hein. Ils vont lui proposer de l'argent, la réalisation d'un souhait. De descendre dans les ténèbres, c'est aussi de se cacher. Vous hein, voyez? Et là, on est invisible. Ils vont le mettre de côté. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Ben, on va demander. Comment est-ce qu'ils vont faire pour le mettre de côté? Parce que c'est ça que j'ai. Hein. Alors là, il y a une menace. Il y a une femme. Et là, on prend la fuite. Ah là, par contre, là, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose d'autre. Une femme. On prend la suite, donc on s'en va. Une menace, on s'en va. Et on est enfermé quelque part. Il y a quelque chose qui va être libéré, un chaos qui va être libéré. Bon, je vais reposer la question parce que je sens que les choses bougent énormément. Mais moi, j'ai quand même l'impression que vraiment, vraiment, qu'il pourrait être mis de côté, quoi. Alors, pour son bien à lui, quoi. Bon, quelque part, hein, puisqu'on avait la fontaine avec l'argent et tout. Et tout à l'heure, j'avais le cadeau. Donc, on va lui donner autre chose. On va demander. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Caligula? Comment est-ce qu'il va dégager, hein? Parce que je pense vraiment, vraiment que. On va regarder. Ouais, il va être mis de côté dans les 6 mois. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bureau de l'Élysée. Bon, ben voilà. Ok. Qui est vide d'ailleurs. Hein? Il n'y a personne. Hein? S'il y a quelqu'un qui se cache derrière le rideau, ouais, je n'arrive pas à voir. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, réussite, réussite, succès, mais division en dessous. On a bien division en dessous. Ok.
Et qu'est-ce qu'on a soulevé? La victoire dans les 3 prochains mois. Et ça, ce sont ses maîtres. Bon, après, j'ai rien d'autre. Ok. Alors, victoire, succès, pour l'instant, il est toujours, oui, il est toujours en poste. Hein. Mais on va regarder ce qui va lui arriver dans les 6 prochains mois. Alors, résistance à la fin, hein, vous voyez, sortie quand même. Hein. Et, bon, financement de campagne, je crois pas. Par contre, de l'argent. De l'argent. Ouais. Et là, vous voyez, la fin. Il y a quelque chose. Hein. On va remettre une carte ici. Ah, c'est aussi les lanceurs d'alerte. D'accord. Ok. Il y a une fin annoncée pour lui. Hein. La faux, c'est rare que je la sorte. Elle est sortie tout de suite. Oui, donc là, il y a une autre femme. Je ne vais pas forcément garder 49-3, mais j'ai une femme ici. Ok. Importante, politique. C'est quoi ça? Dissolution. Et là, c'est... Cohabitation. C'est ça? Cohabitation. Attendez, j'arrive pas à voir. Ah, attends, je vais mettre sur pause. Oui, c'est ça. C'est marqué cohabitation. Curieux. Cohabitation. Et là... Santé. Ah, la santé. Ouais. Donc, je pense vraiment qu'il va devoir être mis de côté pour des questions de santé. Mais il y a aussi des questions d'argent. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai une cohabitation et j'ai deux fois la femme qui est sortie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va pas y avoir des élections, quand même. On va demander. Comment est-ce qu'ils vont être... Bon, moi, je pense qu'ils vont faire partir pour des raisons de santé. On va redemander. La NATO. Qu'est-ce qu'il a fait de là, la NATO? Je ne sais pas. Aucune idée. Angleterre. Bon, on va laisser ça de côté. L'Angleterre, on s'en fiche. Dirigeant des nations. Oui, ça, c'est plutôt les, ces gens-là qui sont aussi derrière lui. Hein. Il n'y a pas que le Forum des dévots. Enfin, il y a aussi des gens qui sont en relation avec NATO. Hein. Dirigeant des nations, ça, c'est lui. Hein. Ils vont le faire partir, moi, je pense. Ouais. Ils vont le faire partir et je pense qu'il y a une autre personne qui va arriver. D'où cohabitation, alors qu'il peut prendre le relais. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a quelqu'un qui va le remplacer. Là, il y a un truc quand même. Et ça, j'ai la paix. Vous voyez, la paix, le repos, l'harmonie. Recherche d'union. Non, mais il va être débarqué. Bon, ok. Pour une raison de santé, je pense. C'est ça que je ressors. Bon, on verra si j'ai raison. Alors, ok, donc il faut garder espoir. Hein. Voilà, donc petites infos pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.